Alors Donkey Kong Country. Pourquoi il bouge plus? Voilà. Allez! Bon, j'espère qu'il va pas falloir que je reconfigure les touches du bouton. Ok, langage, on va voir. Franche. Un player. Voilà, il pleure parce qu'on a pris toutes ses bananes. Ça, le ballon rouge, c'est une vie. Avec le ah merde, je peux pas y aller, c'est trop. Alors, je sais pas si tu connais Donkey Kong Country. Ouais, bah c'est le même principe, hein. Là, je pense qu'il n'y a pas. C'est pareil, n'importe lesquels, finalement, c'est les mêmes. Hein. Enfin, pas les mêmes jeux, ils peuvent être plus ou moins bien, mais c'est du même acabit. Hein. Ah, je peux pas y aller. Ah. Mon premier achievement, parce que j'ai eu les 4 Kong. Les 4 têtes de Kong. Allez, hop. Grenouille. Pourquoi il m'a donné le... Ah bah, ok. Y a rien là-haut? Non. Pareil, y a rien à récupérer là-haut. Non. En fait, les Retro Achievements, ça t'oblige à jouer différemment de ce que tu aurais joué si tu voulais juste finir le jeu. Parce que là, par exemple, je vais essayer d'avoir les lettres Kong. Alors que souvent,
On s'en fout. Comment on lâche? Voilà. Ok. Bien joué. Arrête. Voilà. Et merde. C'est assez lâche ça. On passe la main, ça c'est là, ok. Mais comment on peut aller là-haut? Alors je sais pas comment ils font dans le speedrun quand ils font le quand ils font avancer à travers l'écran. Je crois que c'est Didi. Je sais pas du tout comment ils font. Je peux pas aller chercher les bananes. Oula. Okay. 90, un achievement parce que j'ai récolté 99 bananes. Y'a rien là-haut, non. Mais j'ai pas vu le dernier. La dernière lettre, ah, elle est là. Ok, donc il faut que je grimpe là-haut. Ah non, non, non! Voilà. Il me donne pas un achievement pour ça? Ah non, donc il faut le faire qu'une, il fallait le faire qu'une seule fois. Attends, je vais regarder les achievements. Ok. Donc, ouais, faire le monde 1. Non, mais pas ça. Faire battre les mondes, ok. Finir le jeu. Atteindre les différents bonus. ...50% de complétion, 100%, 101%. Tous les Kongs dans tous les stages. Ah, ok, d'accord. Always on top. Ok, donc ça c'est des trucs où il faut connaître. Allez, c'est bien les achievements qui valent 0 points. Ok, donc on repart sur le jeu. Ah merde, j'ai pas mis. Voilà. Eh bien, quelle surprise! Croctopus. Croctopus le malin amasse ses petits trésors dans les folies coralliennes. Krusha est le plus coriace des Kremlings, bat-le avec un tonneau. Tu peux finir ce jeu ridicule sans mon aide. Ça, c'est briser le quatrième mur.
Est-ce que je vais éviter de me faire toucher? Ah non, je vais pas éviter de me faire toucher, putain. Merde. Ça va, c'était facile. Il n'y a rien à récupérer. Non. Pas sûr que je vais me casser les pieds à aller récupérer toutes les bananes, c'est pas indispensable. Ah, ça le part, ça le part. Ah, je pensais, j'aurais pu l'avoir avec... Ah, voilà, bon, je l'ai eu par accident, mais je l'ai eu. Donc là, c'est toujours, on est toujours dans le premier niveau. Oh, le bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là, apparemment? Oh bah oui. Alors c'était accidentel hein, cette découverte, mais on prend. La banane c'est bon, mangez-en. Non, oh bah alors je me suis planté. Ah. Ah non, non.
Ah, la saloperie, ça n'a pas marché. D'accord, on peut le récupérer. C'est bon. Oh, merde. Bon. Non, tant pis, on va l'abandonner. À son triste sort. Salut, je suis Funky Kong et mon tonneau Jumbo vous déposera où vous voulez. Mais je ne peux vous amener que là où vous avez... Ça va. Ah, ça va commencer à être l'enfer, ça. Ouh là, j'ai eu de la réussite là. Ah, mais pas là. Ah. Ah oui, oui. Je le savais, dès que j'ai vu apparaître les tonneaux, là, je me suis dit, ça y est, c'est les tonneaux. Puis en plus, on ne sait pas la marge qu'on a. Oh
merde. C'est certainement une des raisons pour lesquelles j'ai pas trop joué à ce Donkey Kong là. C'est il y a 2-3 passages que je trouve trop aléatoires ou trop durs pour moi, c'est selon. Ouais, bah, y a une forme de. C'est un peu logique, dans la balistique, ça part pas droit, mais. Mais non, putain! Et puis le problème, c'est que c'est pas parce que j'en ai passé X que je vais la prochaine fois, j'en passerai le même nombre ou plus. Non, non, je peux très bien planter juste avant. Et je ne pense pas que ça change quoi que ce soit d'avoir l'un ou l'autre des personnages. Voilà. J'ai eu tous les Kongs de la partie forêt, jungle. Attends, je vais montrer l'achievement. Ah, il est où? Ah oui, je sens. Il doit être tout en haut. Voilà. Alors bon, en même temps, c'est les niveaux les plus faciles ceux-là. Hein. Après, ça devient un peu plus dur. Bonjour, je suis Candy et c'est mon point de sauvegarde. Lorsque vous voulez, enregistrez votre part. Mais putain, mais laisse-moi le temps de lire! Normal hein, en même temps que ce soit les plus faciles. Ça suffit de faire ça? Ah ouais. Bon bah ça va, encore un achievement pour avoir fini le monde 1. Chemin de Winky. Ah là, ah la mine. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Je crois que dans le genre chiant, c'est pas mal aussi ça.
La mine avec les interrupteurs là. Ah non, c'est pas normal de me faire avoir comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire apparemment. Ouais, voilà. Le niveau avec le chariot. C'est exactement à ça que je pensais. D'accord, faut que je reste appuyé dessus quand pour aller plus haut. Ok. Qu'est-ce qu'un castor vert vient faire dans une mine? On remarque les vautours, hein. Je suis pas sûr que je connaisse la réponse non plus, hein. Je crois que c'est pas à ce niveau de chariot auquel je pensais. Pour réagir là. Putain. Voilà. J'étais bien parti sur la première phase là. J'ai bien avancé. Et puis là, il n'y a pas une histoire de progression, hein. Ça, enfin, pas au niveau où j'en suis. Je vais pas jouer assez pour progresser, pour pouvoir passer mieux à chaque fois, non. On n'a pas le temps de le voir. C'est typiquement le genre de situation qui peut me faire détester un jeu, ça. Ou enfin, me faire arrêter de jouer. D'ailleurs...
Il y a un moment où on finit par avoir de la mémoire, mais... Oh, putain, là... Plus... Puis quand il y en a plus, il y en a encore. Oh putain! Hier, je te parlais, il y a des jeux où je jouais pas parce que j'étais bloqué à un truc et pas le sentiment de pouvoir progresser. J'ai le même sentiment là. Au moins dans Isaac, j'ai mis du temps à battre Mom pour la première fois. Mais j'avais un sentiment de progression. Je sais plus si on peut le manœuvrer. Je sais plus si avec la croix on peut le bouger, faire avancer plus vite ou. Alors que là, j'ai aucun sentiment de progression, je peux très bien me faire avoir au tout début, comme juste avant la fin, et... Je me rappelais plus trop pourquoi je jouais pas trop à ce jeu. Maintenant, je m'en souviens. Où est-ce qu'il y a la progression là? Aucune progression. Ah putain, je me fais avoir systématiquement là. Systématiquement, je crois que pas une seule fois je l'ai passé sans me faire toucher. Voilà, voilà. C'est plus que de la concentration là. Ça demande plus. Pour moi, c'est plus que de la concentration. En gros, il faut le faire comme un bourrin pendant un bon moment jusqu'à ce que tu connaisses tout ce qui arrive. Mais j'ai pas envie de passer 3 heures d'apprentissage pour passer ça. Oh putain, je l'ai passé. Oh, c'est un miracle. Ah bah oui, bah là j'ai sauté par au-dessus du truc. Bon, là je reconnais, c'est de ma faute. Là, je vais pas râler, ça c'est moi.
Mais je suis concentré, hein. Parce que je voudrais quand même bien le passer. Ah. Tiens, j'aimerais bien que quelqu'un calcule le temps de réaction qu'on doit avoir pour faire tout correctement. Putain, j'ai appuyé bêtement sur le saut. Je serais curieux de savoir le temps de réaction qu'on a avant de pour pouvoir sauter correctement. Des fois, il me paraît pas bien. Bon. Il me paraît pas bien long le temps. Ah bah j'ai encore pas changé, j'ai pas changé. Moi de toute façon. Comme je vais bientôt changer de jeu. Ah. Je vais changer le titre. Isaac, au moins c'est dur, mais tu progresses. Avec le temps, tu progresses. Et tu restes pas bloqué à un endroit parce que tu n'y arrives pas, parce que c'est trop dur. J'ai cru que j'étais à côté là. Puis putain, qui c'est qui va dans. Ça fait deux fois que je me fais avoir en. Je saute trop tôt. Qui c'est qui va dans une mine qui est délabrée comme ça, hein, franchement? Ben voilà, je savais. Bon bah ça tombe bien, comme ça, ça. Je vais changer de jeu. Ah là, putain. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, le Roi Lion. Ah non, c'est pas le bon ça. Ça marchera pas. Enfin, il est pas reconnu dans les achievements. Oh, tiens, Aladdin. C'est bon, oui.